n'y a pas toujours besoin d'un dissolvant industriel pour nettoyer les ongles des mains et des pieds facilement. Pour retirer votre vernis sans acétone, il existe 6 astuces d'origine naturelle qui conviennent aux fingers fragilisés. Découvrez comment avoir des mains propres en les nettoyant à la maison sans ce fameux flacon. Avoir du vernis écaillé sur les ongles est disgracieux et parfois, nous sommes en panne de dissolvant. Seulement, cette situation peut être résolue si vous êtes un as du système D qui sait retirer une pose de vernis ou un ancien top coat. Ces méthodes faciles conviennent également à ceux qui ont des ongles cassants et souhaitent une option différente du dissolvant avec acétone. Cette situation peut être résolue par des solutions rapides. Parfois, nous pouvons appliquer un vernis sur notre ongle et qu'un simple mouvement rend le vernis disgracieux avec des reliefs. Dans ce cas, aucune autre solution que d'appliquer un solvant qui retire la maladresse. Parfois, nous avons besoin d'un diluant car nous avons gardé notre vernis trop longtemps et qu'il commence à s'écailler et à faire apparaître vos ongles naturels. Dissoudre ce produit résistant n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'il n'y a plus qu'une couche de vernis. Pour autant, vous pouvez éliminer toute trace de vernis avec des produits qui sont à portée de main et remplacer ces flacons indispensables à la manucure et démaquiller vos ongles, une tâche souvent réalisée par l'esthéticienne. Il n'y a qu'à imbiber ces dissolvants sur vos ongles et vous verrez rapidement que vous avez procédé au démaquillage de vos mains et pieds tout en respectant la kératine qui s'y trouve. Des méthodes écologiques qui ne contiennent aucune substance toxique qui agresse les ongles mous. Il est important de faire attention à leur couleur car ils indiquent votre état de santé. Comment remplacer les lingettes ou le flacon de dissolvant à la maison? 1. Le citron. Dites adieu au vernis à paillettes resté collé sur vos ongles grâce à cet ingrédient sans produit nocif qui remplace les liquides avec acétone. D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart de ces derniers contiennent du citron, un ingrédient recommandé pour ses propriétés abrasives et son odeur agréable. Pour adopter cette méthode, vous aurez besoin de savonneuse tiède et d'une tranche de cet agrume très efficace pour retirer le démaquillage de vos ongles. Pour ce faire, faites tremper vos doigts dans l'eau tiède jusqu'à 5 minutes. Ensuite, frottez la tranche de citron et vous verrez que les ongles vernis deviendront naturels. Une solution idéale pour ceux chez qui le dissolvant provoque des gènes respiratoires. Touche finale. Appliquez de l'huile de ricin pour accélérer la pousse de vos fingers, remplacez le durcisseur industriel et protégez les ongles abîmés. 2. Le vinaigre. Grâce à son acidité, le vinaigre blanc est super efficace pour retrouver des ongles propres sans qu'il soit dangereux pour la santé. Ce produit est prisé pour son aspect dégraissant sur toutes les surfaces et éliminer les taches les plus récalcitrantes. Des propriétés qui en font un produit qui peut dissoudre le vernis à condition que l'on sache bien l'utiliser. Si vous souhaitez profiter de cette astuce qui vous permettra de retrouver des ongles propres en un seul geste, mettez vos mains dans une eau savonneuse pour ramollir le corps gras de 10 à 15 minutes. Cette étape est essentielle pour accélérer le processus de retrait de ces cosmétiques qui adhèrent fortement aux ongles. Ensuite, mélangez du citron et du vinaigre dans un récipient. Le coton imbibé de cette préparation devra être appliqué sur les ongles de 10 à 20 secondes. Cela nettoie les résidus difficiles à éliminer. Il faudra utiliser cette technique plusieurs fois pour une élimination complète, sans ces flacons artificiels. N'oubliez pas ensuite de procéder à un soin des ongles rapide avec de l'huile d'amande pour éviter d'assécher vos fanères. Cette étape est fondamentale pour l'hydratation après ce geste décapant du vernis. 3. De l'alcool. Ceux qui ne disposent pas de citron ou de vinaigre blanc pourront opter pour cette solution de remplacement au dissolvant avec acétone. Il est toutefois moins agressif que les cosmétiques pour retirer le vernis à ongles qui peuvent rendre les fanères plus fragiles. Il a également des vertus antiseptiques pour lutter contre l'apparition de bactéries. Pour l'appliquer, il faudra imbiber un coton de cette solution et de l'appliquer sur vos ongles. Une solution très efficace lorsque nous n'avons pas de dissolvant doux à portée de main. Comme pour les astuces préalables, ramollissez vos cuticules en baignant vos mains ou vos pieds dans de l'eau savonneuse tiède. Vous pouvez procéder à un soin à l'huile de jojoba idéale pour les ongles secs. 4. Le déodorant. Si vous ne trouvez pas de dissolvant, avez-vous pensé au déodorant? Cet aérosol contient de l'acétone, un produit présent dans le dissolvant classique mais à moindre dose. Le déodorant contient également des solvants tels que l'alcool qui pourront vous être utiles pour nettoyer vos ongles. Pour cela, vous aurez besoin d'un déodorant en spray et d'une boule de coton. Seule contre-indication, il faut s'assurer que vous ne soyez pas allergique aux composés présents dans le produit. Ensuite,
Inclinez le flacon à une distance proche de vos ongles et vaporisez. Sans plus attendre, appliquez du coton et essuyez vigoureusement. Le vernis à ongles sera éliminé rapidement. 5. Le liquide hydroalcoolique pour les mains. Cette astuce de système D vous épatera et représente une bonne solution à court terme pour sortir les ongles propres. Il n'y a plus qu'à vous parer de désinfectant et de coton. Le produit contient de l'alcool, un élément important pour retirer ce produit cosmétique sur les ongles. Imbibez en une boule de coton et essuyez vigoureusement jusqu'à disparition de la couleur. Vous pouvez répéter l'opération jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une astuce de système D efficace si vous n'avez pas de dissolvant à portée de main. À la fin de ce nettoyage, lavez-vous les mains car l'alcool assèche les ongles. 6. Le vernis à ongles. Cette astuce paraît irréaliste, mais elle fonctionne bel et bien. Et pour cause, des produits solvants sont naturellement présents dans le vernis à ongles qui retire les anciennes couches de vernis. Il s'agit donc de combattre le mal par le mal grâce à cette technique imparable de système D. Pour cela, utilisez un vieux vernis à ongles pour ne pas le gaspiller et un mouchoir en coton. Il suffira d'appliquer le produit sans le laisser sécher et de retirer rapidement ce dernier avec le papier. Il vous faudra répéter cette opération de dernier recours plusieurs fois avant d'avoir les ongles propres. Vous pouvez baigner ensuite vos ongles dans de l'eau savonneuse pour ramollir les résidus que vous pouvez enlever à la main. Vous pouvez également appliquer une huile végétale pour faire briller vos ongles. Quels sont les conseils à suivre en appliquant ces astuces? Ces techniques ne sont à adopter qu'à court terme parce qu'elles peuvent abîmer vos ongles si vous les employez fréquemment. Après avoir utilisé ces méthodes de système D, veillez à hydrater vos cuticules pour protéger vos fanères. Attention, il ne s'agit que d'alternatives à un dissolvant doux et de préférence biologique qui sera plus respectueux de ces derniers. Ces solutions ne sont que des astuces de dépannage. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.